Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné, évidemment, d'Omar Da Fonseca. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Ça y est, le coup d'envoi est donné. Et un œil sur la composition de cette formation. Dans le but, Hugo Lloris, Lucas Hernandez avec Varane en défense centrale. Paul Pogba sera associé à N'Golo Kanté au milieu. Et ouais, c'est bien joué! Quelle claquette! C'est un corner à venir donc. Corner. Le ballon dégagé in extremis sur la ligne. Et ça joue avec Varane. Et ça tape la barre. Ballon toujours en jeu. Voilà qui est bien défendu. C'est bien joué. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir. Et le montant, il gâche tout. Et ici l'occasion pour mener. Et le gardien s'illustre bien. Kanté. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Soudemana qui reçoit ce ballon. Soudemana reçoit le ballon. Et un arrêt qui fait du bien. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. Alors, la goal line s'invite là aussi pour nous dire ce que nous savions déjà, à savoir que le ballon n'a pas franchi la ligne. On l'avait bien vu depuis le stade et c'est confirmé par l'animation 3D. C'est un petit peu de la magie. Interception décisive dans la surface. Soulemana. Et le gardien intervient comme il se doit. Le corner, c'était pas bien dégagé, du coup, il faut faire attention derrière. Attention à cette frappe. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. N'Golo Kanté. Kingsley Coman. Le ballon pour Benzema. Très bonne défense et ce ballon est repris. Kudus. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Et non, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Il y a un contre possible à jouer là. Et bien fait, quelle ouverture! Ouais, bien fait, c'est pour Benzema. Et voilà le but dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et voilà toute la tranquillité dans la conclusion. Comme le facteur qui vient vous déposer l'a recommandé délicatement. En détournant tranquillement le gardien, une passe au filet magnifique. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Avec Karim Benzema. Et la grosse intervention là. Kamaldine Soulemana. Et le centre est bien saisi par le gardien. Théo Hernandez. Elle est merveilleuse cette passe. Oh, le ballon lobé. Ce ballon piqué n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même.
sacrée justesse des pieds, malheureusement manque de réussite. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Coup douce. Verraillou. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et pour le moment, Karim Benzema, il est rayonnant dans cette rencontre. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, la transversale pour changer de côté. Ouais, bien fait, bonne intervention là. Et Coman reçoit le ballon avec Antoine Griezmann. Pogba à la réception, elle frappe contrée sans souci. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Un ballon pour Karim Benzema. Elle est bien placée, Benzema. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. Petite frappe piquée par-dessus le gardien pour conclure en beauté. On le revoit. C'est un geste personnellement que j'aime beaucoup parce qu'il demande de l'élégance et surtout énormément de coordination des mouvements. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Olé ! Eh oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Et le contre est possible maintenant. Les stats et la possession sont en faveur de l'équipe de France. Et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes. Attention, ça chauffe là ! La volée est belle, mais le poteau a dit non. Un peu moins dévissé, et c'était le but assuré. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Et peut-être le but pour revenir. Intervention du gardien. Intervention et donc danger écarté. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Oh, c'est un bon ballon ça. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé!
Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Bonne conservation du ballon et le soutien arrive. Ouais, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Oh, le beau geste technique. Benzema, la défense est battue. Et c'est pas fini. Et le gardien s'illustre bien. Souleymana. Amartey. Amartey. Ah non, il est perdu ce ballon. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Benzema ! Et finalement, aucun problème là pour le gardien. Elle a intercepté cette passe de Paul Pogba. Raphaël Varane qui vient récupérer. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visiteuse. Et oui, quel match, quel succès. La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles.